Elle est aux anges depuis 17 ans. Marie-France Fricot a mis au monde des jumeaux le 31 janvier 2005 à une minute d'intervalle. Layton et Lynch sont nés albinos et sont tous deux malvoyants. La vie, bah, je dis, mais je ne débatte pas, mais c'est débatté, je me dis. Je travaille à gauche, à droite. Je fais même self-employed à un certain moment. Mais mon récit faisait arriver. Le quotidien de Marie-France, mère célibataire, n'a pas été de tout repos. Ben, mon travail, mon faire rôti, dalle pourrie, mon faire du pain, comme ça fait un peu. Et là, mon travail, le lago, le balier, mon van malaise, un peu partout. Et voilà, c'est comme ça que ma femme, la cousine, roulait au fait. Et deux poches que j'ai gagnées, naturellement. Ce n'est que 6 mois après leur naissance qu'elle apprend que ses jumeaux sont atteints d'une maladie génétique. Le petit commence à perdre un petit peu du sang, tout ça là. Mon arrêt hôpital, on fait un week-end. Pendant un week-end, là, elle a fait mon gagner. Qui me prennent en jumeau. Mais c'est moi, le docteur, je m'en ai. Si je la sortais bon, ou pas. Après cette naissance, là, elle a quand même venu. Enfin, ici, disons 5-6 mois après, moi, tu peux suivre. Tu vas mettre sur ce traitement l'hôpital. Et l'hôpital, à un certain moment, elle a vraiment cordeuse. Elle a cordeuse, elle a une cordeuse. Elle a dit à moi qui définit chez moi, je ne vais pas changer. Je vais faire bien construire ce lait. Je sais que c'est pour ça qu'on vend les personnes pour les autres. Pour mon rêve de travail, je préférais ça avec nous-mêmes. Parce que du moment que je gagne le soleil, je peux closer. Leur scolarité est bouleversée par les intimidations à l'école. Ils sont admis dans une école spécialisée. Les jumeaux sont fusionnels et partagent la même passion pour la cuisine et le dessin. Les femmes, je suis au contrôle, il y a un petit. Il y a un feuilleton, un. Plusieurs choses en fait. Mon passe-temps, c'est dessiner. Vraiment mon rêve, moi, je suis revenu cuisinier, enfin, pâtissier, soit dessinateur, l'un des deux. Toutefois, il y a quelques semaines, un événement vient chambouler leur quotidien. La pension d'invalidité de l'un d'entre eux est suspendue. Ils devront tous deux comparaître devant le board médical de la Sécurité sociale pour déterminer leur éligibilité. Le mot, c'est qu'il arrive à ce moment-là. Elle n'a rien gagné sur code voyager jusqu'à 2026. Elle n'a pas gagné. Elle m'a demandé, elle a dit, pasteur au board. Mais à tout ce moment-là, jusqu'à 17 ans, ça m'a dit une pasteur au board. Et par contre, quand elle est tous les deux, elle pasteur au board. Mais c'est encore prochaine coupée, elle est coupée, elle va couper. Malgré cet obstacle, Marie-France, une mère comblée, compte se battre au quotidien pour assurer l'avenir de ses fils, mais aussi de sa fille de 11 ans.